même couplet parce qu'il nous le dit tout le temps. Quand Satan vient me tenter et vient me faire douter, je dis, ah, plus de péché. Tu m'as mis dans le pétrin, Jésus m'en a fait sortir. Merci, plus de péché. Ils sont enfouis sous le sang de la croix du calvaire, aussi loin qu'est l'obscurité de l'aube. Dans la mer de l'oubli de Dieu, ce qui est bien pour moi, quelle gloire, plus de péché. Amen. Dieu soit loué. Gloire au nom du Seigneur. Amen. Gloire au Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ce chant signifie beaucoup pour moi. J'ai eu beaucoup de péchés. J'ai eu beaucoup d'échecs. J'ai eu beaucoup d'erreurs. Mais elles ont toutes disparu. Amen. Je suis racheté. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir, c'est merveilleux. En pensant à cela, il n'y a rien de plus grand que ce sang. Nous avons tous eu un fardeau si lourd. J'aime cette histoire dont Frère Branham parle. Cet homme qui marchait et qui l'a dit qu'il avait un fardeau. Il dit, oh, il a reconnu que c'était Christ. Et il dit, oh, tu as le fardeau du monde sur tes épaules. Il dit, non, j'ai juste le tien. C'était moi. C'était moi. Merci Seigneur Jésus. Bienvenue à tous au nom du Seigneur Jésus, à tous les visiteurs et à tous ceux qui sont connectés. C'est bon de vous avoir tous ici, de faire partie du service ce soir. Nous allons passer une merveilleuse soirée, un merveilleux moment. Vous êtes venus en vous attendant à quelque chose, n'est-ce pas? Vous ne serez pas déçus. Vous ne pouvez pas venir dans cette église et être déçus. Il y a quelque chose qui ne va pas si vous l'êtes, parce que vous allez entendre la parole ointe. Et aujourd'hui, il va nous dire, il va nous rassurer, comme il le fait chaque fois que nous venons ici dans ce bâtiment, que nous faisons exactement la volonté parfaite du Seigneur Jésus en écoutant ces bandes tout le temps. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Il n'y a rien de plus grand que d'être dans la volonté parfaite du Seigneur. C'est ce pourquoi nous nous efforçons jour et nuit. C'est tout ce pourquoi nous prions. Seigneur, je vais être dans ta volonté parfaite, pas dans une volonté permissive, pas que tu laisses faire. Et c'est incroyable, quand nous sortons de sa volonté, il nous ramène directement dans sa volonté parfaite. Parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ et nous ne pouvons rien faire d'autre. Parfois, il nous laissera sortir de la ligne et il nous ramène et il nous châtie. Nous payons pour ça. Et il a dit que vous allez payer pour ça et payer très cher. Mais ça ne change rien. Vous êtes une semence royale d'Abraham, une semence prédestinée de Dieu. Ça ne peut pas être changé. Tout simplement pas. Vous ne pouvez pas être remplacé. Gloire au nom du Seigneur. Ce soir, nous allons avoir un déversement du Saint-Esprit. Il va nous donner plus de révélations sur qui il est. Il va nous dire exactement qui vous êtes. N'aimez-vous pas quand il vous dit ça? Amen. Il va nous révéler davantage de sa parole. Il va guérir les malades. Il va réparer les cœurs brisés. Il va nous faire continuer à courir vers le but et continuer à courir vers le but. Et comment le faisons-nous? En continuant à appuyer sur play. C'est comme ça que nous continuons à courir vers le but. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. C'est une révélation en soi. Gloire au nom du Seigneur. Au commencement, Dieu était tout seul. Il a dit qu'il était dans ses pensées, juste lui dans ses pensées. Il n'y avait rien. Il a dit qu'il était seul. Et puis, il a pensé à vous. Gloire au Seigneur. Il a prononcé la parole. Et c'était votre nom.
C'était peut-être il y a des millions et des milliards d'années quand il a pensé, il a prononcé et c'était vous. Mais il savait à ce moment-là, qui vous étiez et tout ce qui vous concerne. Il savait que vous alliez être ici sur terre aujourd'hui. Il savait que vous alliez être assis dans ce siège aujourd'hui. Il savait que vous alliez être son épouse. Il savait que vous alliez avoir la révélation de qui il est en ce jour. Maintenant, aujourd'hui, vous avez été manifesté. Vous êtes devenu un être vivant. Vous êtes dans ce vase, ce corps. Et cet esprit qui était en lui au commencement vit maintenant en vous. Et aujourd'hui, nous allons être en communion avec lui. Et nous redevenons lui comme nous l'étions au commencement, avec lui à nouveau. Oh. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Comme c'est merveilleux. Nous étions dans sa pensée au commencement et nous y retournions de nouveau. Il va nous raconter tout cela ce soir. Nous nous rassemblons ce soir autour du monde entier. C'est ce que nous faisons. Nous sommes ici dans un même cœur, une même pensée, un même accord. Nous sommes unis autour de notre leader. C'est le Saint-Esprit qui parle à travers son vase prédestiné qu'il a choisi. C'est notre guide pour aujourd'hui. Il va nous parler à nous canards ce soir par son conducteur confirmé, notre guide, parce que nous avons entendu son coin-coin par révélation et nous saurons exactement qui il est. Pourquoi nous nous rassemblons ce soir? Pour l'enlèvement. C'est là où nous allons. Nous allons dans l'enlèvement. Amen. Qui veut y aller? Amen, vous l'êtes. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur, vous pouvez vous asseoir. N'êtes-vous pas heureux de connaître le son de ce coin-coin? Tout le monde veut se débarrasser de ce coin-coin, mais pas nous. Nous aimons ce coin-coin. Nous avions besoin d'un guide. Nous avions besoin d'un Messie. Nous avions besoin d'un oint pour nous sortir de cet endroit où nous sommes, pour venir nous montrer le chemin parce que nous n'avons jamais pris ce chemin auparavant. Nous avons besoin de quelqu'un pour nous montrer le chemin. Il a envoyé. Il est venu lui-même. Gloire au nom du Seigneur. Qui est cette personne? Qui disons-nous ce soir que c'est? Nous allons tout découvrir ce soir. Il va nous dire exactement qui c'est. Et nous allons découvrir à quel point il est important de jouer les bandes dans l'église. Nous allons le découvrir. Gloire. Gloire au nom du Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. C'est une grande controverse aujourd'hui. Je dirais que c'est la plus grande polémique dans le message aujourd'hui. Cette chose-là. Vous savez, avant, il y avait beaucoup de doctrines, d'enseignements et de choses qui circulaient et des différents ministères qui allaient dans toutes les directions. Celles-là ne sont plus d'actualité. Elles ne sont plus d'actualité. Mais c'est le fait de jouer les bandes dans l'église qui est devenu la controverse. Comme il en était au temps de Jésus, il en est de même aujourd'hui. Les gens sont divisés. Il dit, il y a trois groupes de gens. Et il y avait trois points de vue à l'époque de Jésus. C'est ce qu'il dit? C'est ce que l'Écriture nous dit. Il y a trois points de vue. Un groupe croit que vous devez jouer les bandes, qu'il est absolument nécessaire de jouer les bandes. C'est un groupe de gens. Nous sommes ce groupe. Nous sommes du groupe 1. Gloire au Seigneur. Gloire au nom du Seigneur.
Je suis heureux de m'identifier à ce groupe. Vous pouvez vous asseoir. Vous savez, les autres, il y a un autre groupe. C'est absolument faux de jouer les bandes dans l'église. Ils n'ont jamais entendu Frère Branham dire « Vous devez jouer les bandes dans l'église. » Pas grave. Mais il y a un groupe qui croit cela. Frère Branham n'a jamais dit qu'il faut jouer les bandes dans l'église. C'est faux de jouer les bandes dans l'église. Et puis, il y a un autre groupe, groupe 3. Ils ne savent pas qu'est-ce qu'il faut croire. Peut-être de temps en temps, mais pas tout le temps. Je ne sais pas. Ils veulent ce qu'ils appellent garder l'équilibre. Vous avez déjà entendu cette expression? Ils disent « j'aime garder l'équilibre », ce qui veut simplement dire « jouons les bandes deux fois par mois, les mercredis soirs ». Ça, ce n'est pas l'équilibre. L'équilibre, c'est être à égalité, laisser que les deux soient égaux, si vous voulez garder l'équilibre. Si vous voulez garder l'équilibre, alors laissez que les deux soient égaux. Et à chaque âge, Dieu a envoyé un Messie. À chaque âge, il a envoyé un Messie, la voix ointe de Dieu pour conduire son peuple. Ils en avaient besoin à chaque âge, un Messie confirmé, avec une grande onction de la gloire de la Shekinah tout autour de lui. Il dit, dans chaque mouvement et chaque aspect, il représentait Dieu. Il est la parole ointe faite chair pour ce jour-là. Amen. Amen. Oh, amen. Amen. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Il dit que Dieu avait un contrôle si complet de cette personne jusqu'à ce qu'il soit leur voix. Il dit, il était leurs actions. Il dit que même parfois, ils ne savaient pas ce que c'était, mais quelque chose en eux bouillonnait. Ils devaient le faire. Il dit, ils ne pouvaient pas bénir ou maudire, mais quelque chose les poussait tout d'un coup. Ils étaient le Messie pour ce jour, le oint de ce jour. Amen. Gloire au nom du Seigneur. À l'époque de Moïse, en ce jour-là, ils avaient besoin d'un Messie, d'un conducteur, d'un homme, d'une voix, d'une colonne de feu. Ils en avaient besoin à l'époque. Dieu l'a pourvu pour eux. Il était oint de Dieu. Il était un Messie oint. Et il a pris de la poussière. Il l'a jeté dans l'air. Et il a dit que les puces et les mouches sortent. Elles sont sorties de cette poussière dans l'air. C'est ce que ce Messie oint a fait. À notre époque, nous avions besoin d'un Messie pour nous conduire. Parce qu'il a dit que nous n'avions jamais emprunté ce chemin auparavant. Nous avions besoin d'une voie de sortie. Comme Moïse, nous avions besoin d'un homme, pas d'un groupe. Parce qu'il n'a jamais utilisé un groupe. Il a dit qu'il avait besoin juste d'un homme. C'est sa parole. Pour qu'il n'y ait pas d'erreur, il avait besoin d'être confirmé par la colonne de feu. Pour que nous sachions que c'est lui. Nous l'avons. Nous l'avons. Gloire au nom du Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Gloire au nom du Seigneur. Amen, vous pouvez vous asseoir. Nous avions besoin d'un homme complètement soumis à la parole de Dieu pour qu'une voix puisse nous amener, nous conduire. Il l'a fait, il nous l'a envoyé. Mais ici, quand notre oint a prononcé la parole, il a créé des écureuils à partir de rien. Amen. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Vous ferez de plus grandes œuvres. Amen. C'était la confirmation du troisième poule. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Il a dit que c'était la confirmation de qui il était. Il a dit qu'il y avait trois poules. Ça a confirmé exactement qui il était.
Rappelez-vous, il y avait trois groupes là-bas. Et il y a trois groupes aujourd'hui. Quand il dit là-bas, mais comme au temps de Moïse, ils ont commencé à murmurer. Ils avaient un plan. Nous devons faire quelque chose. Il faut plus que les simples paroles de Moïse. Ils voulaient quelque chose de plus que les simples paroles de Moïse. Les paroles de Moïse n'étaient pas suffisantes. C'est ce qu'il a dit. Je suis en train de reprendre le prophète de Dieu. Il faut plus que les paroles de Moïse. Je pense qu'ils ont senti que cela avait renversé l'équilibre. Qu'il fallait alors avoir Moïse et eux. Absurdité! Nous avons besoin du prophète, du message, point final. Gloire au Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Amen. Maintenant, écoutez. Ceci ne veut pas dire qu'il n'y a pas de ministère quintuple. Il y en aura beaucoup qui écouteront parce qu'ils écoutent ce que nous disons. Ce qui se passe ici, ils écoutent. Je ne dis pas ça à cause d'eux, mais parce que c'est juste la vérité. C'est simplement la vérité. Il y a un besoin pour le ministère quintuple. Il y a un ministère quintuple. Il doit y avoir des hommes ordonnés de Dieu. Dieu les a mis dans l'église. Il les a mis là. Il a dit qu'il les a mis là pour le perfectionnement de l'épouse. La parole, ils sont dans l'église. Ils sont là. Ils ne peuvent pas être retirés. Et nous avons besoin d'eux. Nous avons besoin d'eux pour qu'ils pointent les gens vers le message, vers le messager, vers la voix et de jouer les bandes. C'est ce qu'ils doivent faire. Loué soit le Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous pouvez vous asseoir. Ils ont un travail à faire. J'ai un travail à faire. C'est de vous pointer vers ce message. Ce n'est pas le message plus autre chose. C'est uniquement le message. C'est ce dont nous avons besoin, uniquement le message. Mais nous avons besoin d'hommes de Dieu pour pointer les gens, à rester dans la parole, à écouter la parole. Il y avait l'esprit dont il va nous parler qui s'est levé, Dathan et Corée. Moïse met trop d'accent sur lui-même. Ce William Branham met trop d'accent sur lui-même. Nous devons avoir quelque chose de plus à côté de William Branham. Il faut que nous ayons cela. C'est une absurdité. Nous ne devons pas. Vous, ils n'ont pas de message. Il n'y a qu'un seul message. Il y a un seul message. Et il y a un messager. Pointez les gens vers ce message. Vous savez, les frères disent que je divise les gens en disant les choses que je dis depuis cette chair. Je ne veux pas séparer les gens. Je veux unir les gens. Et il n'y a qu'une seule chose qui peut unir les gens. Cette parole, ce prophète, ce message est la seule chose qui peut le faire. Pas un autre ministre, pas un autre groupe de gens, pas quelque chose d'autre. La parole, ce message, ce n'est pas pour diviser, mais plutôt pour unir ensemble. Ne soyez pas en colère contre moi. Je ne fais que citer la parole. La parole l'a dit. Je ne dis pas ces choses. C'est la parole qui le dit. J'essaie de vous ramener à la vérité. De vous ramener au message de l'heure. Jouez les bandes. Amen. Gloire au nom du Seigneur. Gloire au nom du Seigneur. Restez debout. Je ne comprends pas. Si vous croyez que c'est la parole ointe de Dieu,
Si vous croyez à ce message, il va nous le dire ce soir. C'est le Messie, le oint dont nous avions besoin, qu'il est venu, il a été confirmé, confirmé par la colonne de feu, confirmé par trois poules. La voici, c'est la parole de l'heure. Pourquoi ne voudriez-vous pas donner cela à vos gens et d'y être réunis tout autour? Je veux que vous ne soyez pas tout autour de votre église, mais autour de la parole. Nous sommes autour de la parole. Je veux que vous fassiez partie de cela. C'est ce qui perfectionne l'épouse. Et il faudra uniquement ce message. Les hommes viennent et s'en vont. Frère Branham dit, il vous le dira ce soir. Tout le monde est différent. Les vrais jumeaux sont différents. Ils sont différents. Il dit qu'il n'y a pas deux hommes semblables. Ils ont des différentes idées, des points de vue différents, des opinions différentes, toutes choses qui diffèrent. Gloire au nom du Seigneur. Un jour, si ça arrive, je prie que cela n'arrive pas. Je ne serai plus sur terre, mais cette église sera la même parce que leur pasteur est William Marion Branham. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Ça ne changera pas. Ce n'est pas, vous savez, votre pasteur avant disait ceci, maintenant je crois ceci, maintenant voici ce que je crois. Ce sera la même chose parce que c'est la parole vivante. Ça ne peut pas changer. Pas d'idées différentes. L'ennemi, il est là dehors. C'est comme je disais aux frères, vous savez, je lisais les Actes ce matin. Ça a béni mon cœur. J'ai aimé l'histoire là où Pierre et Jean étaient devant le Sanhédrin. L'homme venait juste d'être guéri. Il dit que les pharisiens et les sadducéens, ils se sont réunis. Qu'allons-nous faire? Je veux dire, nous ne pouvons pas nier. C'est une guérison miraculeuse. C'est un miracle. Nous devons arrêter ces absurdités. C'est incroyable. Les hommes saints qui conduisaient les gens. Nous devons arrêter ça. Il se passe quelque chose ici. Nous devons arrêter ça. J'aime comment Pierre et Jean, on leur a dit d'arrêter cela. Quand ils sont rentrés, ils se sont réunis tous. Ils se sont réjouis. Ils ont prié, dit, Seigneur, donne-nous l'audace de parler hardiment, Seigneur Jésus. Oh, c'est ma prière. Vous êtes assez audacieux, Pierre, Jean, mais ils voulaient plus d'audace. Est-ce votre prière? Donne-moi plus d'audace, Seigneur, pour parler de la parole. Eh bien, devinez quoi? Vous avez levé la main. Devinez ce qui s'est passé ce jour-là. Le Saint-Esprit est venu et les a remplis du Saint-Esprit à nouveau. Gloire au nom du Seigneur. C'est ce que nous voulons que ça se passe. Viens, remplis-nous encore du Saint-Esprit. Il y a toujours plus du Saint-Esprit à recevoir. Il y en a toujours plus et plus et plus. La fontaine inépuisable. Et il veut vous le donner plus que vous ne le voulez. Et c'est tout ça à l'intérieur de votre cœur. Maintenant, nous savons qui c'est. Nous allons en découvrir plus. Mais qui sommes-nous? Qui sommes-nous maintenant? En écoutant la voix de la parole ointe, nous redevenons un avec lui. Souvenez-vous de la pensée comme nous étions au commencement. Nous étions dans sa pensée au commencement. Nous étions avec lui, un avec lui là-bas. Maintenant, vous avez été manifesté. Maintenant, vous êtes un être humain avec l'Esprit de Christ vivant en vous. Il a dit, « Soyez un comme moi et le Père, nous sommes un. » Oui, soyez un comme ça. Alors, ce serait comment ça? La parole en nous, ce serait alors la parole ointe. C'est ça l'unité de Dieu. Voyez-vous, l'unité de Dieu, c'est la parole ointe en vous. Et alors, vous devenez un Messie. Vous devenez un Messie de l'âge. Vous êtes la parole ointe et le Messie oint de l'âge. Wow! Gloire au nom du Seigneur! Oh Seigneur, laisse cela aller profondément dans nos cœurs aujourd'hui pour comprendre qui nous sommes. Nous sommes de nouveau unis à lui, comme nous l'étions au commencement. Unis à lui, la parole ointe.
Gloire au nom du Seigneur. Inclinons la tête. C'est notre prière ce soir, Père. C'est ce que nous voulons être. Présentez-moi une église qui est entièrement ointe par Dieu, à tel point que chacune de ses actions et de ses mouvements est ainsi dit le Seigneur. Alors qu'elle marche dans cette gloire de la Shekinah, et je vous montrerai là un Messie, un oint de Dieu sur la terre. Est-ce votre prière ce soir? Dieu peut faire n'importe quoi, n'importe où, à n'importe quel moment, que ce soit ce soir. Amen. J'entends cela. Crois seulement, tout est possible. Crois seulement, tout est possible. Gloire au Seigneur, vous pouvez vous asseoir. Une fois de plus, quel privilège pour nous cet après-midi de se rassembler dans les lieux célestes pour écouter la voix de Dieu aux gens. Nous prêcher le message. Qui dites-vous que c'est? Nous disons, c'est la voix du Messie. Parlant à travers son messager, pour nous apporter les paroles de la vie éternelle. Nous nous rassemblons autour de cette parole. Ça rassemble l'épouse pour aller dans cet enlèvement. Dieu vous bénisse. Nous invitons frère Branham à la chair. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Prions. Père Céleste, nous sommes de nouveau assemblés au nom de ton Fils bien-aimé, le Seigneur Jésus, pour lui exprimer de nouveau notre amour par l'adoration. Nous prions que son Esprit vienne parmi nous et donne à chacun de nous une portion de cet Esprit qui nous accordera la grâce, qui nous soutient pour achever le voyage et combattre le combat qui nous attend, le combat de la foi. Accorde-le, Père, et rends pour nous cet après-midi le pain de vie afin de nous fortifier. Car il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Puissions-nous l'entendre cet après-midi au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je tiens à féliciter frère Carlson. Il vient de me laisser monter avec à peine 10 minutes de retard. Il fait des progrès. Encore une semaine de réunion, nous allons simplement, je serai probablement ici à l'heure. Nous sommes très heureux de ce privilège. Eh bien, ce soir, c'est notre dernier soir pour cette série de réunions. Et je voudrais vous laisser partir à temps pour que vous puissiez prendre votre souper. Je sais que beaucoup d'entre vous appellent ça votre dîner, mais si là je dîne, quand est-ce que je souperai?
Bon, je parlais à un homme, il a dit, oh frère Branham, il s'agit d'un dîner. Oh vraiment? J'ai dit, je vais vous prouver que vous faites fausse route. J'ai dit, nous ne prenons pas le dîner du Seigneur, nous prenons son souper. Alors nous aimons considérer cela comme celui du Seigneur, comme notre souper, le souper du Seigneur ce soir-là, pas le matin ni l'après-midi. C'était son souper, il a pris le soir. Alors, eh bien, nous voudrions revenir de bonne heure. Ainsi donc, nous ne serons pas en retard ce soir. Frère Carlson me laissera monter à l'heure exacte ce soir. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Et je ne sais pas si je peux avoir un peu assez de temps. J'essaierai peut-être de prêcher sur le compte à rebours ce soir, si le Seigneur le veut. En effet, c'était un petit message scientifique que le Seigneur m'a donné pour les derniers jours. Et je pourrais probablement prêcher sur cela ce soir, si le Seigneur le veut. Eh bien, nous avons passé des moments formidables hier soir. Je me suis avancé, j'ai dit, nous n'allons pas prier pour les malades. Et le Seigneur a quand même guéri les malades, vous voyez. Amen. Il peut nous arriver de dire quelque chose, mais le Seigneur peut changer cela quand il le veut, vous voyez. Il est Dieu. Maintenant, je voudrais lire rapidement les Écritures pour un petit sujet qui, à mon avis, pourrait nous aider cet après-midi. Et donc, s'il me laisse monter à l'heure, j'essaierai de terminer à l'heure, et ça sera vers 13h30, ce qui serait d'ici une cinquantaine de minutes. Prenons maintenant le livre des Juges, chapitre 16, et lisons les versets 27 et 28, alors que nous regardons à la parole. La maison était remplie d'hommes et de femmes. Tous les princes des Philistins étaient là. Et il y avait sur le toit environ 3000 personnes, hommes et femmes, regardaient Samson jouer. Alors Samson invoqua l'Éternel et dit, « Seigneur, souviens-toi de moi, je te prie. Ô Éternel, donne-moi de la force seulement cette fois, et que je puisse tirer vengeance des Philistins pour mes deux yeux. » Prie encore. Seigneur Jésus, prends ce petit sujet et abrève-en l'Église, Seigneur. Nous prions et te le confions au nom de Jésus. Amen. Il y avait probablement 3000 Philistins qui regardaient du haut de la tribune de cette immense arène. Quand ces deux personnes sont entrées dans l'arène cet après-midi-là, il devait avoir fait chaud ces jours-là. Ces gens avaient été là toute la journée. Et là, dans cette grande foule, en haut de cette immense arène construite sous une forme semblable à celle d'un champignon à l'envers, son poteau central au milieu qui s'étendait un peu comme ceci, et ces deux poteaux-là qui soutenaient le tout, tous les spectateurs, des chefs de guerre très raffinés étaient là, ainsi que leurs femmes parées de leurs somptueux bijoux. Tous se penchaient en avant pour voir cet événement particulier, pour bien voir ce qui allait se dérouler. Il y avait eu des préliminaires, tous les divertissements. Ils avaient peut-être eu des petits singes qui avaient exécuté des petits tours. Et ils avaient eu toutes sortes de divertissements, comme le combat, la lutte et des duels, peut-être jusqu'à ce que mort s'en suive. Et bien d'autres choses avec lesquelles ils s'étaient divertis toute la journée. En effet, c'était un grand jour. Mais là, l'événement principal était arrivé. Vous savez, comme l'on attend tous patiemment pendant que les préliminaires se déroulent. Et les gens attendent l'événement principal. Et c'est là que tout le monde se redresse et prête attention. On le remarque durant nos services religieux lorsqu'on chante et qu'on donne des témoignages et qu'on prêche et tout. Mais l'événement principal, c'est de voir ce que le Seigneur va faire, voir le but pour lequel il nous a rassemblés. Nous nous attendons tous à voir quelle sera réellement l'issue de tout cela, l'événement principal.
Dans tous les cas, c'est la même chose. Nous sommes toujours dans l'attente de voir l'événement principal. Et ils s'étaient tous levés pour regarder devant, pour voir ce qui se passait. Parce qu'on leur présentait l'événement principal et tout ce qu'ils ont vu. C'était un aveugle conduit par un jeune garçon. Les couloirs avaient résonné tout l'après-midi à cause de ces orgies de l'ivresse. Alors qu'ils se passaient le whisky et leurs boissons fortes, leurs belles femmes peinturlurées et parées de bijoux, et ses puissants chefs de guerre, ses hauts dignitaires et tout, c'était une grande fête, on célébrait la victoire. Oh, je n'aime vraiment pas dire ça. La victoire que Dagon, le dieu poisson, avait remportée sur le serviteur de Dieu. Ça m'écoute terriblement de dire cela, mais c'est la vérité. Il célébrait de cette façon-là une victoire sur le serviteur de Jéhovah. Quelle chose honteuse! Des beuveries, des orgies, des femmes peinturlurées et parées de bijoux et de grands dignitaires. Les feux brillaient sous le dieu poisson. Quelle grande fête cela devait être! Mais le plus douloureux dans tout ça, c'est que des milliers d'années plus tard, nous devons nous souvenir d'un tel événement. Alors que le grand Dieu du ciel avait résolu en son cœur qu'il détruirait cette nation parce qu'ils étaient païens. Et que Dieu avait envoyé un homme pour faire ce travail. Et voici que le dieu poisson, une idole, célébrait une victoire remportée sur le serviteur de Jéhovah. Ce n'était pas Jéhovah qui avait perdu, c'était le serviteur qu'il avait envoyé pour faire ce travail qui avait perdu la victoire. Quel spectacle, comme c'était honteux. Ce garçon a conduit cet homme aveugle qui longeait le couloir en tâtonnant jusqu'à atteindre ces énormes poteaux centraux sur lesquels reposait cet immense champignon à l'envers ou bien cette sorte de parapluie où les gens regardaient vers le bas comme ceci depuis ces sortes de grands piliers en long et en large qui maintenaient la chose bien en place. Ils étaient faits de pierres qu'on ne pourrait pas reproduire aujourd'hui. Plus personne ne peut les construire comme ça. Mais quelle chose gigantesque c'était là. Et il y avait des milliers de prêtres de renom aux torses bien bombés qui avaient servi une idole. Avec toutes leurs cérémonies et leurs rituels adressés à leur idole pour avoir vaincu Jéhovah. Quel grand jour c'était là. Ils buvaient, s'adonnaient à des orgies et se conduisaient n'importe comment. Et voici venir le serviteur de Jéhovah, aveugle, tâtonnant, conduit par un jeune garçon vers ce grand poteau pour amuser la galerie. L'événement principal, c'était de se moquer du but établi par Jéhovah de détruire la nation. Et voilà que la nation avait capturé la chose même que Dieu avait placée pour les détruire. Et là, il avait vaincu et se moquait de lui, l'événement principal de leur célébration. Ça nous arrache presque le cœur d'avoir à regarder cela, n'est-ce pas? De penser à ce qui a pu, cette histoire n'aurait vraiment jamais dû être racontée. Mais elle a probablement été racontée pour notre instruction à nous, écrite comme ça. Humilié, brisé, il s'était né là vaincu. Entre les deux poteaux qui soutenaient l'édifice. Quel symbole, c'est de l'Église d'aujourd'hui. Quel symbole, c'est d'une race déchue qui s'est livrée au monde et à la chose même que nous sommes censés vaincre. L'Église a vendu ça. Sa moralité, qui a vendu la Bible, qui a vendu sa force, qui a aussi livré son épée, et qui se tient là humilié à l'heure où les signes annonciateurs de la venue de Jésus-Christ sont proches, alors qu'elle devrait être lavée, sans tache ni ride, et se tenir debout pour accueillir son époux. Quel tableau nous avons sous les yeux! Un symbole de la déchéance morale qu'il y a sur la nation, cette nation. Et j'essaierai de ne pas trop m'attarder sur mes références bibliques pour pouvoir terminer rapidement. Mais je pourrais symboliser cela avec l'Église, avec la nation, avec la politique et avec tout ce sur quoi on peut mettre la main aujourd'hui.
hormis la Bible de Dieu. Moralement déchu, la race humaine en soi, elle est dans un état lamentable. Et là, sous les regards des athées et des incroyants qui se permettent de montrer l'Église du doigt, elle qui devrait avoir le message de ce jour, et de lui demander qu'est-ce que tout cela signifie, là, elle n'a pas de réponse. Elle n'a pas de réponse. Pourquoi? Elle a agi comme Samson. Elle a capitulé. En le voyant debout là, on aurait dit, c'est donc lui Samson? Représentons-nous une image de cela, de ce grand et puissant guerrier. Représentons-le nous cet après-midi. Il avait de larges épaules, une grande carrure. Et voilà ce grand gaillard qui se tient là, rendu aveugle, attaché avec de petites cordes, et conduit jusqu'au milieu de la cour, humilié, brisé, vaincu. Et le grand Dieu du ciel, regardez cela d'en haut. Et ici bas, ces critiqueurs, des soldats ivres qui regardaient vers le bas. J'imagine que beaucoup de Philistins, alors qu'ils se tenaient là, avaient même ressenti une grosse frayeur en entendant son nom. Autrefois, Samson était un nom puissant. C'était aussi le cas du christianisme de l'Église. Et je vais faire un parallèle entre l'Église et cette scène. Dès qu'on prononçait le nom de Samson, les gens s'évanouissaient, car ils n'avaient jamais vu un tel homme. Sa force surpassait tout ce qu'il y avait jamais eu dans le monde. Rien de ce qu'ils avaient ne pouvait l'égaler. Beaucoup se souvenaient de lui alors qu'ils le regardaient, se tenaient là dans cet état. Beaucoup le regardaient depuis les tribunes et se souvenaient l'avoir vu dans une autre position. Un jour, comme il se tenait là, une mâchoire de mulet à la main et 1000 Philistins gisant autour de lui, alors que les autres s'étaient enfouis vers les rochers pour s'y abriter, il se tenait là, il leur faisait signe de doigt, allez, venez. Si vous voulez goûter un peu à ça, mais regardez-le maintenant. Beaucoup de Philistins, alors qu'une prostituée un soir l'avait incité à entrer dans la ville de Gaza, ces derniers avaient pris les énormes portes qui devaient bien peser des tonnes. Ils l'ont enfermé à l'intérieur et l'ont eu. Ils ont envoyé chercher des soldats et ont dit, maintenant nous l'avons eu, nous l'avons cerné. C'est ce que le diable cherche toujours à faire, vous cerner sur un point. Mais souvenez-vous, quand Samson s'est réveillé le lendemain matin, ou cette nuit-là plus tôt, quand il a constaté qu'il avait été cerné, il pouvait toucher l'arrière de sa tête et savoir qu'il était toujours un fils de l'Alliance de Dieu, et que rien ne pouvait le bloquer. Autrefois, l'Église aussi était comme ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, a descendu la rue, a arraché ses portes de leur cavité, les a placées sur ses épaules, est monté jusqu'au sommet de la colline et s'est assis. Beaucoup de ceux qui étaient présents cet après-midi-là se souvenaient de cet événement. Mais regardez-le maintenant, rendu aveugle, ridiculisé, un objet de moquerie pour l'ennemi. Toute la puissance qu'il avait autrefois pour sa protection, pour accomplir la mission que Dieu lui avait confiée, le but pour lequel il était né dans le monde, il en avait été dépouillé par une femme. Je pense que la même chose pourrait s'appliquer aujourd'hui. Une femme qui prétend être l'épouse de Christ et qui repose son enseignement sur une coupe remplie des impuretés, de ses abominations, de ses fornications. Elle a versé de la coupe de ses fornications dans la bouche de l'Église de Dieu qui a été suscitée pour accomplir ses signes et ses prodiges selon le dernier commandement de Jésus dans Marc 16. Et nous voyons qu'elle a pris le petit groupe fidèle de Dieu, qu'elle les a organisés ensemble, exactement comme elle avait elle-même fait, et qu'elle les a dépouillés. Il renie ce qui en fait la force.
Il renie le Saint-Esprit. Il renie la puissance de parler en langue. Il renie la puissance du Saint-Esprit de ressusciter les morts, de guérir les malades et de chasser les démons. Et maintenant, les Philistins sont sur toi. Que vas-tu faire maintenant que tu es dépouillé? Oh, ce qui a dû traverser l'esprit de cet homme. Nous avons vu ce qui avait dû traverser l'esprit des Philistins. Il l'avait connu. Eh bien, j'en entends un s'approcher peut-être de l'autre et dire, je me souviens du temps où dès qu'on disait Samson, tous les Philistins fouillaient comme des rats vers un trou. J'ai entendu dire qu'autrefois, 1000 hommes marchaient dans le désert et dès qu'en disant « Samson arrive », ils jetaient leurs armes et ils couraient se mettre à l'abri aussi vite que possible. Mais regardez-le maintenant. Il est dans un état lamentable, attaché. Tout ça parce qu'il a fait des compromis avec une femme. Voilà pourquoi elle a dépouillé de sa puissance. Elle cherchait sans arrêt à savoir où résidait sa force. Elle savait qu'il était un homme costaud, mais eux aussi, ils avaient des hommes costauds. Mais cette Delilah, c'était une vraie Jézabel. Elle savait comment le convaincre, comment l'envoûter et lui dire qu'elle l'aimait lui. Mais elle cherchait constamment à découvrir où résidait sa force. Et c'est exactement ce que cette Jézabel a fait à l'église. Elle a cherché jusqu'à ce qu'elle trouve où résidait cette force. Et la force est dans la parole. La parole est Dieu. Et elle a fini par trouver où cette force résidait. Alors elle a amené l'église à Nicée, à Rome et a rasé ses tresses. Et maintenant, elle ôte de l'église ce qu'il en reste. Elle la ramène au Conseil mondial des églises. Elle lui rase de nouveau les tresses. C'est un rasage continuel. Elle lui ôte ceci et ceci ne veut pas dire cela. Les jours des miracles sont passés. Il n'existe rien de ceci. C'est là ou autre chose. Ils ont trouvé où résidait sa force en substituant les baptêmes, les poignées de main et toutes ces autres choses à la vraie parole de Dieu qui est sans mélange. Cette parole est Dieu. Elle a été donnée à son église pour vaincre le monde, les démons, la maladie et pour chasser les démons. Et ce n'est en aucun cas une dénomination qui a été donnée à l'église. C'est la parole qui a été donnée à l'église. Voilà sa force. Mais eux, ils ont retranché ceci, ils ont retranché cela, et ont rasé cette chose-ci, et ont rasé cette tresse-là. Si bien qu'aujourd'hui, l'église est complètement rasée comme une sœur catholique. On l'a tellement rasée qu'elle a accepté comme doctrine un tas de credos faits de mains d'hommes. Et c'est exactement ce que le prophète avait dit qu'elle ferait. Et voilà qu'elle se tient là aujourd'hui humiliée. Alors que le Dieu du ciel a choisi des pécheurs ignorants et autres, et qu'il est descendu en eux et a prouvé cela qu'il reste toujours Dieu. Et elle n'arrive pas à donner une réponse à son assemblée face à tout cela, parce que ça, ce n'est lié à aucune dénomination. Et l'église se tient là, humiliée, alors qu'elle aurait dû se tenir dans sa force. Si seulement l'église aujourd'hui s'éteignait comme elle a fait au jour de la Pentecôte, si seulement l'église aujourd'hui s'éteignait comme à l'époque d'Irénée, à l'époque de Saint-Martin ou à l'époque de Polycarpe, quand l'église, plutôt que de défier la moindre parole de Dieu, s'avançait droit vers la mort. Irénée, Martin, tous ces hommes-là s'en sont tenus fermement à ce baptême d'eau au nom de Jésus-Christ. Chacun d'eux s'en est tenu fermement à ce baptême du Saint-Esprit, aux prophètes, aux signes et aux prodiges. Et elles s'en sont éloignées aujourd'hui. Qu'est-il arrivé? Delilah a découvert où résidait cette force. Et si jamais elle parvenait à éloigner ses séminaires de cette parole pour les diriger vers une théologie faite de main d'homme, elle réussirait à les avoir. Il serait alors facile de les lier pour les amener dans le Conseil mondial des églises, ce conseil écuménique. Vous dites, vous n'avez pas le droit. Je suis quand même citoyen américain. J'ai droit à la liberté d'expression. C'est vrai, certainement que je le suis. Remarquez, c'est l'exacte vérité. Oh, ce qu'il a dû ressentir, ce qui a traversé l'esprit de cet homme, alors qu'il s'était né là aveugle.
Or, Jézabel savait, ou plutôt pas Jézabel, mais Delila, elle savait que si elle parvenait simplement à lui crever les yeux, ça réglerait l'affaire. Et c'est exactement ce que la Delila de ces derniers jours a fait à l'église. Elle lui a crevé les yeux à la promesse de Dieu. Et elle vous a vendu une certaine dénomination intellectuelle de grande envergure. Tout le monde aime acheter, dire, j'appartiens à première église, j'appartiens à cela ici. Je voyez, tant que le diable peut crever vos yeux à la parole de Dieu et à la promesse de Dieu, peu m'importe combien cela a l'air insensé, c'est la promesse de Dieu. Maintenant, je n'approuve pas les sectes, pas du tout. Mais on reconnaît ces sectes à leurs œuvres. De même, on reconnaît l'Église de Dieu à ses œuvres. Mais je sais de dire ce que Delila a fait à Samson. Maintenant, considérons les choses du côté de Samson. Ce qui a dû traverser l'esprit de cet homme alors qu'il s'était né là. Toutes les grandes victoires qu'il avait remportées autrefois ont dû lui traverser l'esprit. Maintenant, l'événement se déroule. Le divertissement de l'après-midi est sur le point de commencer. Ceux qui doivent être divertis pensent à ce que cet homme était autrefois. Et le voilà, cet élan-là, pensant à ce qu'il avait été. Mais à cause d'une femme qui l'avait attiré, le tableau avait changé comparativement à ce que ça aurait dû être. Dieu avait suscité Samson pour détruire cette nation. C'était ça le but même pour lequel il avait été suscité. Si seulement Dieu peut trouver un seul homme, voilà tout ce dont il a besoin. D'un seul homme qui peut s'abandonner entièrement à lui. Il n'a pas besoin d'une armée. Il ne s'est jamais servi de cela. Il ne se sert que d'un homme. Or, Samson avait donné sa force à Dieu pour qu'il l'utilise, mais il ne lui avait pas donné son cœur. Il avait donné son cœur à Delila et sa force à Dieu. Mais vous devez abandonner votre âme, votre corps, votre esprit, votre force, tout ce que vous êtes à la volonté de Dieu et devenir son prisonnier. Vous serez forcément prisonnier de quelqu'un. Vous ne vous appartenez pas. Vous êtes prisonnier de quelqu'un. Vous êtes soit prisonnier du diable, connaissant cette vérité, mais ne voulant pas vous y abandonner, soit prisonnier du monde, et vous vous abandonnez à Dieu. C'est soit l'un, soit l'autre. Vous êtes soit prisonnier du diable pour le péché, soit prisonnier de Dieu pour la justice. Vous êtes soit l'un, soit l'autre. Et là, Samson pense aux grandes victoires qu'il avait remportées. Il lui est sans doute venu à l'esprit que, lorsqu'il était un jeune garçon, Dieu l'avait confirmé et avait donné des instructions à sa mère qu'il ne fallait pas qu'elle prenne de boissons fortes ou qu'elle devait surveiller son alimentation. Elle allait enfanter un Naziréen. Et sa mère lui peignait les cheveux en lui disant, « Mon fils, ces tresses sont une alliance avec Dieu. C'est là que résidera ta force. Ne divulgue jamais cela. Ne divulgue jamais ton secret. Ne le livre jamais. Quoi que tu fasses, garde-le. » Jésus-Christ a dit à l'Église, « Les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera jamais. » Et quiconque en retranchera une seule parole ou y ajoutera une seule parole, sa part sera retranchée du livre de vie. L'Église devrait y réfléchir maintenant, alors que nous sommes dans ce chaos, en cette heure qui prie, qui précède la venue du Seigneur Jésus, d'un moment à l'autre pour un enlèvement. Ces grandes victoires auxquelles nous pouvons nous référer, celles d'autrefois durant la Réforme, à l'époque du René et de Saint-Martin, de Patrick, et de ceux qui ont protesté contre ces organisations. Et quand Luther est sorti et qu'il a protesté contre cette première organisation, l'Église catholique, le groupe qu'il avait suivi a fait marche arrière et s'est organisé après lui. Quand John Wesley est sorti de l'anglicanisme, et dès que Wesley est parti, ils se sont organisés juste après lui. Et des pentecôtistes du début sont sortis des dénominations. Ça, c'était pour vous un terme blasphématoire. Mais comme un chien qui retourne à ce qu'il a vomi, une truie à son bourbier, vous êtes retourné directement à la chose que vous êtes censé vaincre. Vous êtes né pour vaincre cela.
Alléluia. Ça me brise d'autant plus le cœur d'avoir pensé à la victoire que Dagon avait remportée sur Samson là-bas. Je vois celle que Jézabel a remportée sur l'église. Et c'est pour ça que de toutes mes forces et avec chaque fibre de mon corps, je m'efforce de protester contre cette chose et de rappeler à cette église à son lieu de repentance. Vos mères, vos pères ont été mis à la porte de ces organisations. Ils en sont sortis et ont protesté contre elles. Et voici que leurs enfants ont fait demi-tour et sont retournés à la chose d'où ces derniers étaient sortis. Voilà bien le portrait de Samson, de ce que Delilah a fait. Nous devrions vraiment laisser les pensées de ces grandes victoires traverser notre esprit. Et je n'ai pas le temps d'aborder tout ça, si je peux tenir ma parole envers vous. Et Dieu l'avait suscité dans ce but. Et le voilà qui se tient entre ces deux poteaux, rendu aveugle, vaincu, humilié. Il restait le même grand gaillard qu'il avait toujours été, mais sa force avait disparu. L'église et tout, en termes d'adhésion, elle est plus forte que jamais. Mais où est la parole, la force manifestée? Elle vous a été ôtée par vos organisations qui rasent la puissance. Il avait manqué à ses engagements envers Dieu. Non seulement avait-il manqué à ses engagements envers Dieu, mais il avait manqué à ses engagements envers son propre peuple. Il était un fiasco complet. Dieu l'avait suscité pour qu'il détruise la nation même dont il était maintenant le prisonnier. Et voici la dernière organisation de l'église, la Pentecôte cet après-midi. Elle est tout aussi vaincue qu'elle était Samson. Peut-être ne le croirez-vous pas. Mais si vous voulez bien ouvrir votre esprit à la parole, vous verrez que c'est la vérité. On lui faisait faire des tours pour divertir. Comme je l'ai dit une fois il n'y a pas longtemps, ces hommes d'affaires du plein évangile que j'aime bien, dans leur magazine, ils ont écrit « Révérend Saint-Père un tel ». Pauvres pentecôtistes illusionnés et aveuglés, qu'est-ce qui ne va pas chez vous? Ne savez-vous pas que notre Sauveur a dit « N'appelez personne sur cette terre, Père ». Vous ne vous rendez donc pas compte que le diable ne fait que prendre ici quelqu'un qui a été mis à la porte de l'une de ces organisations pour vous réduire à n'être qu'un objet de risée? Elles ne vont pas entrer. Ne laissez personne vous dire qu'elles entreront. Qu'est-ce qui ne va pas chez cette église illusionnée? Le monde lui a crevé les yeux. Ne savez-vous pas que Jésus a dit que cela arriverait? Et quand la Vierge endormie est venue acheter de l'huile, elle ne l'a jamais obtenue. Voilà la Vierge endormie. Les luthériens, les méthodistes, les presbytériens, ils ne l'obtiennent pas. Ils ont beau parler en langue et sauter, ça ne veut rien dire du tout. J'ai vu des païens faire la même chose et des adorateurs du diable parler en langue, sauter, chanter, pousser des cris. Boire du sang dans un crâne humain, invoquer le diable et parler en langue. N'allez pas vous appuyer sur des sensations. C'est la parole de Dieu qui ne passe point. La voici vaincue, tout autant que Samson l'avait été. Elle est en train de faire des tours à présent. Satan s'élève et se moque d'eux. Il dit, regardez, ils prétendent croire la Bible, regardez. Il dit à tous les anges du ciel, regardez, regardez, oui, ce sont des croyants de la Bible. Chacun d'eux, regardez-les, c'est rassemblé. Je vais tous les jeter là, chacun d'eux exactement. Il va les amener jusqu'à ce point. C'est exactement ce que dit l'Écriture. Il faut qu'ils le fassent. Les voilà vaincus. Delilah. Ils ont les yeux crèvés, si bien qu'ils ne peuvent pas voir la vérité. Jésus a dit aux pharisiens, vous avez des yeux et vous ne voyez pas. Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas. Pourquoi il a dit? En effet, Esaïe a dit cela. Il s'est reporté à la parole au prophète. Dieu lui-même, Jésus-Christ, s'est reporté à la parole de son prophète. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit réveille votre mémoire. Emporté, enflé d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu. Les femmes maquillées, portant des shorts, se comportant comme le monde, se coupant les cheveux et faisant tout cela ayant l'apparence de la piété.
mais réunions ceux qui ont fait la force. Eh bien, vos propres œuvres démontrent que vous ne croyez pas. Le Saint-Esprit dans la parole se reporte de nouveau à la parole. Vous vous dites, je l'ai reçu. Quand vous prenez un médicament pour une maladie, s'il ne fait pas effet, vous ferez mieux de changer votre médicament. Vous mourrez dans vos péchés. La nation, le but même, la chose même pour laquelle ils ont été suscités, celle qu'ils devaient détruire, Samson est maintenant victime. C'est pareil avec l'Église. Elle avait été suscitée pour faire honte au système des dénominations et à la mondanité dans les dénominations. Et vous, vous êtes entré directement dans la dénomination. Et en faisant cela, vous ne pouvez pas suivre les Écritures. Chacune d'elles a une conception différente. Vous avez alors perdu votre force. Ce démon d'aveuglement, il a laissé les charmes d'une femme le détourner de là, la parole de Dieu. Maintenant, vous dites, frère Branham, il ne s'agissait pas de cela. Oui, il s'agissait bien de la parole de Dieu. Delilah a détourné Samson de la parole de la promesse. De même, la Jézabel d'aujourd'hui a détourné l'Église. Elle a attiré pour l'éloigner de la parole de la promesse, la sainte Bible de Dieu. Oh, c'est la même chose. C'est exactement la même chose. Qu'ont-ils fait? Ils ont donné accès à Jézabel. C'est ce qui est dit dans Apocalypse 17, Apocalypse chapitre 17. L'Église catholique est représentée là. Et elle vous confirme qu'il s'agit bien d'elle. Leur propre livre le dit. Ils ne se gênent pas. Combien parmi vous ont déjà lu leurs propres écrits? Vous savez que c'est vrai. C'est vrai. Ils disent que l'Église catholique est représentée là. C'est vrai. Et souvenez-vous, elle était la mère des prostituées. Elle était une prostituée, la mère des prostituées. Voyez, ce devait être des églises. Pas des garçons, c'était des filles, des églises protestantes. Une mère de prostituées. Dès qu'elles se sont organisées, elles ont fait la même chose que cette dernière avait faite là. Elles se sont dépouillées de la parole. Et elles doivent suivre les instructions d'une certaine organisation. Je sais que ceci n'est pas populaire, mais c'est la vérité. Je n'ai pas le soutien de grandes émissions de radio et de grandes émissions de télévision. Que Dieu m'aide à ne jamais la voir. Je ne désire qu'une seule chose, c'est le soutien de Jésus-Christ par sa parole. Qu'il confirme que je dis la vérité par sa parole. Que ce ne soit pas quelque chose de faux, quelque chose d'artificiel, des choses sans scrupule, mais que ce soit le véritable Saint-Esprit lui-même qui prenne la promesse de ces jours et montre que c'est la vérité. C'est tout ce que je désire ardemment voir. Comme Jésus l'a dit, si je ne fais pas les œuvres de mon Père, alors ne me croyez pas. Maintenant, aveugle. Oh, vous dites, nous ne sommes pas aveugles. Vous êtes aveugle. La Bible dit que vous l'êtes. Tout lecteur de l'Écriture sait que ceci, c'est l'âge de l'Église de la Odyssée. Combien croient cela? Alors, la Bible dit que l'Église de la Odyssée est aveugle, nue, et qu'elle ne le sait pas. C'est ce qui est grave. Elle ne le sait même pas. Elle est pire que tous les autres âges de l'Église réunis. Le bœuf connaît la crèche de son maître, ou l'étable et la mule connaissent sa crèche. Et il a dit, mon peuple ne connaît rien. Aveugle, spirituellement aveugle. Aveugle à quoi? À la parole de Dieu. Tout aussi aveugle qu'ils peuvent l'être. Et ils ne peuvent pas voir cela. Et si vous leur dites ces choses, ils répondent, oh oui, je compte bien le faire. Mais pas un seul d'entre eux ne le fait. Ils ne peuvent pas le faire et garder leur association dans une organisation. Automatiquement, ils se font virer, ils se feront virer. La voilà, Delilah lui a rasé les tresses. Maintenant, il a les cheveux coupés, comme les femmes qui sont là-dedans. C'est la même chose. Maintenant, regardez-les, vaincues, tout comme elle était autrefois. Les ministres, les messagers pentecôtistes du début, on n'aurait jamais fait croire à ces hommes-là que leurs propres enfants organiseraient des séminaires qu'eux-mêmes avaient critiqués par la parole de Dieu et d'où ils étaient sortis. C'est vrai. Qu'avons-nous obtenu par ces séminaires? Ils ont introduit le monde dans l'Église.
Un vieux ministre chantait autrefois, on a levé les barrières, on a fait des compromis avec le péché, on a levé les barrières, les brebis sont sorties. Mais comment les boucs sont-ils entrés? Vous avez levé les barrières, vous vous êtes éloigné de la parole. Quand Ève a levé les barrières au raisonnement intellectuel de Satan, la mort est entrée. Et les barrières avec lesquelles Dieu l'avait barricadé, c'était sa parole de la promesse. Et nous avons substitué autre chose, un credo à la place de la parole. Amen. Vous savez que c'est la vérité. Qu'est-ce que nous avons, nous les pentecôtistes aujourd'hui? Trop de Ricky. Ce terme Elvis et Ricky, ça, c'était jamais entendu à d'autres époques. C'est un terme, c'est le nom associé à cette époque. Il cadre avec ceci. Il signifie quelque chose. Vous dites un nom, ça ne signifie rien. Dans ce cas, pourquoi a-t-il changé le nom d'Abraham en Abraham? Pourquoi a-t-il changé le nom de Saul en Paul? Le nom de Simon en Pierre? Pourquoi a-t-il changé son propre nom? Pourquoi a-t-il changé celui de Jacob en Israël? Mais pas avant qu'il ait lutté avec l'Éternel, pas avant qu'il ait vaincu. Et Jésus, quand il a eu vaincu la mort, le séjour des morts et la tombe, la Bible dit qu'il a eu un nouveau nom. Jacob aussi, quand il a eu vaincu. Et si l'Église arrive à vaincre, alors elle ne dira plus « Je suis méthodiste, baptiste, presbytérienne ». Quand elle arrivera avec ses credos et le monde qui l'a entraîné dans tout cela, elle reviendra l'épouse de Jésus-Christ, Madame Jésus-Christ. Amen. Quel triste spectacle alors que nous voyons Samson se tenant là. Les femmes aux cheveux courts qui portent des shorts au visage maquillé. Des pentecôtistes qui se disent chrétiennes, elles chantent dans la chorale. Il n'y a pas longtemps, j'étais dans l'assemblée de Pentecôte, dans une grande ville où habite un grand homme célèbre. Et les réunions avaient pris une telle ampleur que j'avais dû les déplacer vers un grand endroit. Et ils avaient la chorale pentecôtiste sélectionnée. Et ils étaient bien loin de se douter que j'étais là, derrière les rideaux, en train de prier. Et là, chacune des filles qui étaient dans ce rang, environ 35 filles et 35 garçons à chanter le Messie, étaient maquillées et avaient les cheveux coupés. Et quand David Duplessis recueillait une offrande pour les missions, il mimait l'aveugle Bartimée, il courait en faisant passer le bol. Voilà les petits enfants pentecôtistes. Ça, ce n'est pas un serviteur de Dieu pentecôtiste qui a le baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne ridiculise pas sa propre parole et ne peut pas le faire et demeurer le Saint-Esprit. Mais c'est là que vous vous êtes retrouvés. Oh, Samson a commencé à réfléchir un peu. Souvenez-vous, ces bandes sont enregistrées et envoyées dans le monde entier. Je ne m'adresse pas seulement à ce groupe ici présent. Samson s'est mis à réfléchir à ses erreurs. Oh. Et il s'est mis à penser à ce qu'il était autrefois. Vous pentecôtistes, pensez à ce que vous étiez il y a 1900 ans. Vous l'Église, les catholiques, les protestants, pensez à ce que vous étiez il y a 1900 ans. Et regardez à ce que vous êtes aujourd'hui. Examinez cela un instant. Il ne me reste qu'environ 8 minutes pour tenir parole. Remarquez. Mais alors qu'il se tenait là, il a pleuré. Il s'est mis à réfléchir à ses erreurs. Lorsqu'il s'est mis à penser à ce qui lui était arrivé, il était aveugle, donc il ne pouvait plus voir. Lui, il avait accepté autre chose. L'amour pour cette femme, c'est ce qui a eu raison de lui. Par la suite, elle lui a tourné le dos. Oh, quel piège dont je pourrais parler ici, que Satan a tendu à l'Église. Il suffit d'aveugler vos yeux à la vérité, et là, voilà, on vous a eu. Et si seulement vous le saviez, un de ces jours, Dieu va vous prouver cela, que c'est la marque de la bête. Ah oui. Remarquez. Mais une fois aveuglée, elle se tient là. Et il s'est tenu là. Il a commencé à se souvenir de ces choses, de ses erreurs. Là où il s'était détourné du chemin étroit et resserré. Là où il s'était éloigné de la promesse de Dieu. Et il s'était crié. Seigneur, tire vengeance pour mes yeux. Pourquoi a-t-il fait cela? Il savait qu'il y avait une possibilité. Maintenant, c'est là que je veux que vous écoutiez.
Samson a dû penser à toutes les fois où il s'était écarté du sentier. C'est là qu'il a pris conscience de cela, mais c'était trop tard. Il a pris conscience de cela les fois où il s'était écarté du sentier et il s'est dit, il doit y avoir une possibilité que Dieu réponde. Il savait que s'il pouvait se repentir et amener Dieu à voir qu'il regrettait son erreur, il y avait une possibilité que Dieu accomplisse quand même sa promesse. Dieu le fera. Il va le faire. C'est pareil maintenant. Dieu aura cette église. Ne vous en faites pas, elle sera là. Le Saint-Esprit agira tellement dans l'église que l'église et Christ seront le même esprit. Luther s'est tenu au pied avec la justification. Wesley s'est tenu aux pulsations de l'amour avec la sanctification. Mais ceci s'est élevé jusqu'à la tête maintenant. Voyez, c'est au-delà de tout ça. Et l'on a fait une dénomination et le vigneron est venu émonder la vigne. Ils sont morts, ils ne sont plus jamais revenus. Ils ne reviendront plus jamais, mais là, il y a toujours une semence de vie qui avance. Mais remarquez, Samson s'était dit qu'il devait y avoir une possibilité. Il avait saisi. Mais ce qui est triste aujourd'hui, c'est que l'Église ne saisit pas cela. Les gens ne se rendent pas compte qu'un réveil est possible. Ils ne se rendent pas compte de cette possibilité. Ils n'ont pas encore saisi la vision. Ils restent simplement immobiles. Oh, ils disent, eh bien, frère Branham, que faites-vous? Oh, je sais que vous tapez des mains, que vous avez des très grands rassemblements et que le clinquant du monde vous fait briller de mille feux. Il vous faut fréquenter les endroits les plus grands. Il vous faut absolument avoir les meilleurs divertissements. Il vous faut faire ceci, cela ou autre chose. Il faut que votre pasteur soit un érudit de séminaire avec un doctorat. Sinon, vous ne pouvez pas dire à vos voisins là que votre pasteur était un petit gars sauvé sorti d'un camp de maïs là-bas. Il est. Notre pasteur est le docteur en droit intel. Pour moi, ça veut simplement dire qu'il est plus éloigné de Dieu. C'est tout, plus éloigné, car l'intellect l'éloigne toujours. Oh, vous brillez par votre savoir. Et une autre chose, au sujet d'une bonne partie de cette évangélisation moderne d'aujourd'hui, tous les mouvements pentecôtistes et les autres et tout ça, c'est tout un spectacle hollywoodien. Oui, certainement que vous en brillez, comme les clinquants de la reine de Dagon, le dieu poisson. Mais ce clinquant, ce savoir et cette mise en scène intellectuelle qui brille de mille feux permettent au public de voir n'importe quelle défaite et ainsi de suite. Toutes ces choses-là, ces conceptions intellectuelles de l'évangile et tout ça, n'amènent pas la puissance de Dieu qui fait que les femmes cessent d'avoir les cheveux coupés et que les hommes se comportent comme ils le devraient, qu'ils prennent leur place dans le foyer et qu'ils élèvent leurs enfants comme ils devraient le faire. Ces choses n'amènent pas l'Esprit de Dieu. Samson s'était là tout aussi costaud que jamais. Et l'Église est plus importante en termes de membres qu'elle ne l'était il y a 40 ans. Mais où est l'Esprit de Dieu? Oh là là! Où est l'Esprit de Dieu dans tout ça? Je vois l'Esprit de Hollywood. Je vois l'Esprit du monde. Je vois l'Esprit de tape à l'œil. Ça entre par une oreille et ça sort par l'autre. Je prêche contre ces choses depuis 15 ans. Mais ça se dégrade toujours plus. Je le vois bien et je vois l'Esprit qui est là. Mais où est l'Esprit de Dieu qui peut saisir Dieu? Qui peut reconnaître la parole elle-même quand elle est manifestée? Qui peut reconnaître la vérité? Seul l'Esprit de Dieu peut faire cela. C'est vrai. Vous pouvez bien accepter l'éclat, le raffinement, les mises en scène. Le physique de Samson était toujours aussi imposant, mais sa force lui avait été enlevée. L'Église, la Pentecôte d'aujourd'hui se tient là. Il y a 3 ans, je crois, le journal de l'Église catholique, le Visiteur du Dimanche, a déclaré qu'il faisait 1 million de conversions à la religion catholique en une année, mais que l'Église pentecôtiste en faisait plus que ça, 1 500 000. Eh bien, qu'avez-vous obtenu en faisant cela? J'aimerais mieux en faire 5 qui pourraient abandonner leur vie à Christ. Il peut accomplir plus de choses avec 5 hommes ou un seul homme qui s'abandonne qu'il ne le pourrait avec 40 millions là qui sont dehors. Que signifie membre? Ça veut tout simplement dire autre chose, que vous êtes aveuglé et que vous donnez encore plus de force à la prostituée, c'est vrai. Remarquez, l'Église aujourd'hui n'est pas disposée à payer le prix. Samson a fait le genre de prière qu'il fallait. Seigneur,
Que je meure avec cet ennemi. Oh là là, voilà. Vous ne voulez pas mourir à votre orgueil. Vous ne voulez pas mourir aux choses du monde. Maintenant, souvenez-vous en disant ceci. Je m'adresse littéralement à des milliers de personnes dans le monde entier. Voyez, je ne m'adresse pas seulement à vous ici à Chicago. Je m'adresse au monde entier. Vous ne voulez pas mourir. Mais c'est le seul moyen pour qu'un réveil soit possible. Vous, Samson aveuglé, ne voyez-vous pas que cette Delila vous a aveuglé les yeux? Et le seul moyen pour vous de ramener la force à l'église, c'est de mourir à l'ennemi qui vous a fait entrer dans cette mondanité. Samson a dit que je meurs avec cet ennemi. Il y a un prix fort à payer. Vous devez mourir à la chose qui vous entraînait dans cette chose-là. Vous devez mourir à la chose qui vous entraînait, vous les pentecôtistes, là où vous êtes cet après-midi. Vous devez mourir à cela. Samson était disposé à payer ses prix pour retrouver la puissance de Dieu dans sa vie. Je me demande si cet après-midi l'église est disposée à payer le prix et à mourir avec l'ennemi. La chose en question, toute votre popularité, toute votre ceci, c'est là ou autre chose. Tout simplement voir la puissance de Dieu revenir sur vous et que vous soyez disposé à devenir prisonnier de Jésus-Christ. Oh, j'entends certains de vous dire, oh oui, nous, on a des réveils, mais ce sont des réveils dénominationnels. Les unitaires veulent faire de tous les trinitaires des unitaires. Les trinitaires veulent faire de tous les unitaires des trinitaires. L'Église de Dieu veut contrôler l'Église de Dieu de la prophétie. L'une veut contrôler l'autre pour faire une grande déno. Vous ne vous rendez pas compte que vous êtes seulement en train de satisfaire les hommes. Nous sommes frères. Aucune dénomination ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Nous sommes frères. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Vous dites, dans ce cas, pourquoi criez-vous contre eux? L'amour est correctif. Si l'amour ne corrige pas, alors ce n'est pas de l'amour. Si vous voyez votre enfant là dans la rue et que vous ne lui donnez pas une petite stimulation du protoplasme postérieur, vous n'êtes pas un bon papa. Mais une vraie mère ou un vrai papa lui donnera une fessée, lui fera savoir qu'il doit quitter la rue ou périr. Ça, c'est le véritable amour. Mais dire, j'ignore mon chéri, je ne sais pas, toi peut-être que tu ne devrais pas être là-bas à cette heure de la journée, le temps de la fin, alors que les voitures roulent assez vite. Oh, non-sens, espèce de prédicateur efféminé qui n'a pas l'audace de prendre la parole de Dieu pour appeler les choses par leur nom. Noir, c'est noir, et blanc, c'est blanc. Le bien, c'est le bien, et le mal, c'est le mal. Pourtant, c'est ce qu'ils font. Oui, on a des réveils, d'accord, mais regardez la moralité que vous avez après ces réveils. Ça ne les change pas du tout. Chaque fois, ils s'éloignent encore plus de Dieu pour se diriger vers le monde. Remarquez. Samson savait ce qui allait se passer si sa prière était exaucée. Mais nous n'avons pas encore calculé ce qu'il nous en coûtera. Que se passe-t-il si Dieu exauce votre prière de devenir un vrai authentique enfant de Dieu? Vous savez que votre dénomination pour vous, ce sera terminé. Et les femmes avec lesquelles vous jouez au bridge et tout ça. Oh non, pour vous, tout ça, ce sera terminé. Vous ferez mieux de calculer ce qu'il vous en coûtera pour commencer. Mais Samson a dit que je meurs. Il était disposé à payer le prix et il savait. Maintenant, écoutez bien cette observation. Il savait que sa condition rétrograde actuelle n'aurait jamais pu répondre au défi de cette heure-là. Pourtant, quant à ses muscles, il était un homme tout autant qu'il l'était autrefois. Sa carrure était tout aussi imposante que jamais. Ses muscles étaient tout aussi gros qu'il l'était autrefois. À n'importe quel moment, il pouvait gonfler les muscles de ses bras. Il était probablement plus gros qu'avant parce qu'il avait broyé le fait de plus dur labeur. On a des meilleures églises, de meilleurs bâtiments et tout ça, mais où est notre force d'un point de vue spirituel? Oh, on pourrait faire un vote dans la nation. Bien sûr, on pourrait faire ces choses, mais ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la présence de Dieu reconnue parmi nous. Voilà ce qui devrait être notre raison de vivre. Il savait que son état de rétrograde ne pouvait pas répondre au défi de cette heure-là. L'Église aussi est consciente de cela maintenant. On ne peut pas y arriver dans cette condition.
vous ne pouvez pas y arriver. La dénomination ne peut pas confirmer la parole. Elle est ni la parole. La dénomination en soi ni la parole dès lors qu'elle devient une dénomination. C'est cette chose-là, elle-même, qui dès le départ vous fait complètement passer de l'autre côté. Elle nie la parole tout le temps. Il ne me reste qu'une ou deux petites minutes, mais remarquez, alors que je me dépêche maintenant pour tenir parole, pendant tout le temps où ils s'étaient tous là, ces pensées traversaient leur esprit, et j'espère qu'elles traversent le vôtre. Ils n'ont jamais remarqué le moment où ces pensées ont traversé l'esprit de Samson. Peut-être qu'ils se sont fait passer la bouteille, qu'ils ont encore bu un coup. Leur belle femme hollywoodienne était là, cigarette au bec. S'il existait quelque chose de semblable à cette époque-là, je ne pense pas qu'ils étaient descendus si bas à cette époque-là. Mais elle s'était relevée les cheveux et avait bu un autre coup et criait « Salut Joseph ou Jean, où vous là-haut là-bas ?» On a joué aux cartes ensemble hier soir, on a participé à une grande fête. Il y a une possibilité que Dieu veuille m'exaucer. Il y a une possibilité. Et comme il y pensait, les Philistins n'avaient pas fait attention à lui, alors que ce jeune garçon avait détaché ses mains et avait reculé. Il avait dit, place mes mains sur le poteau. Il y avait une possibilité. Oh là là. J'aimerais que l'Église voie ça. Un véritable réveil est possible. Qu'a-t-il fait? Il a levé ses orbites. Il n'avait plus Dieu vers Dieu. Ils n'ont jamais remarqué le mouvement de ses lèvres alors qu'il s'est confessé sincèrement. Nous n'avons pas simplement besoin d'un faible. Seigneur, pardonne-moi ainsi que Jim, Joe et chacun de nous. Amen. Nous avons besoin d'un nettoyage sincère de la chair au concierge. Ils n'ont jamais remarqué les larmes qui coulaient de ses orbites où se trouvaient ses yeux autrefois. Ils n'ont jamais remarqué le mouvement de ses lèvres, ses yeux, les larmes salées qui coulaient de ses orbites. Ils voulaient que Dieu confirme une fois encore sa parole pour prouver, comme je le dis à cette Delilah d'aujourd'hui, ou plutôt à ce Samson, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Une fois encore, pensait-il, ça arriverait. Pas une nouvelle dénomination, pas une nouvelle branche sectaire, mais une parole confirmée de toi, ô Dieu. Tu es toujours Dieu, je le sais. Je suis aveugle, je me suis écarté du droit chemin. Je ne suis pas digne de vivre, que je meure avec cet ennemi. Tu m'as suscité pour que je le détruise. Et j'ai manqué à mon devoir envers toi, Seigneur. Mais tu peux encore m'exaucer, c'est possible. Une fois encore, Seigneur, une fois encore. Il a prié très sérieusement. Il savait ce qui allait arriver. Seigneur, seulement cette fois encore, une fois encore, que je vois Jésus-Christ tel qu'il était hier. Quand il faisait cette prière, les larmes coulaient sur ses joues. C'était une confession en toute sincérité. C'est ce dont l'Église a besoin. Confessez que vous êtes dans l'erreur. Ne vous souciez pas de ce que le docteur Jones dit, ni de ce que n'importe qui d'autre dit. Si vous êtes en dehors de la parole de Dieu, confessez-le. Confessez que vous êtes dans l'erreur. Criez une fois encore, Seigneur. Une fois encore. Une fois encore, Seigneur. Une fois encore. Tire vengeance de ces dénominations sur mon aveuglement. Et donne-moi la force, Seigneur, de secouer ce monde dénominationnel avec ta confirmation. Donne-moi la force, Seigneur. Démontre-le une fois encore. Il savait ce qui allait se passer si sa prière était exaucée. Il le savait. Et très sérieusement, il a crié. Une fois encore, Seigneur. Et comme il priait et qu'il faisait son honnête confession, chaque fibre de son corps a commencé à vibrer. Oh Dieu, si seulement le corps de Jésus-Christ pouvait être uni et que chaque fibre et chaque membre se mette à vibrer de nouveau par le véritable baptême du Saint-Esprit, pas par de nouveaux membres, ni par une poignée de main, ni par un quelconque credo, alors que la force commença à se propager dans ses gros muscles. Chaque fibre a commencé à se contracter. Il a commencé à se sentir revivre. Et il a pivoté. Et à ce moment-là, le grand mur est tombé.
Tout ce que nous devons faire aujourd'hui pour voir ces murs dénominationnels tomber, c'est de devenir profondément sincère devant Dieu pour guérir ces yeux aveugles qui ont été rendus aveugles à la parole de Dieu. Ce fut la plus grande victoire que Samson ait jamais remportée sur chaque ennemi qu'il avait été suscité pour détruire, parce qu'il était disposé à confesser premièrement. Oh, vous de la Pentecôte, tenez-vous-en à votre poste cet après-midi, à votre poste de voir envers la parole de Dieu. Répondez-vous et criez d'une voix forte, Seigneur Dieu, une fois encore, je vais vous dire quelque chose. Vous ferez mieux de détruire votre ennemi avant que votre ennemi ne vous détruise. C'est vrai. Ramenez les réunions de prière à l'ancienne mode. La vraie repentance remplie de piété. Le service à l'autel qui dure une nuit entière. Oh, vous de la Pentecôte, écoutez-moi. Quittez cette corruption que Jézabel a produite parmi vous. Quittez-la. Quittez-la vite. Et revenez à la parole du Seigneur. Loin de ce spectacle hollywoodien. De tout votre cœur. Revenez à la parole de Dieu. Revenez à la puissance du Saint-Esprit. Vous les femmes, habillez-vous comme des femmes. Vous les hommes, comportez-vous comme des hommes, comme des fils et des filles de Dieu. Détournez-vous. Oh, détournez-vous de ce système de Jézabel qui vous oppresse et vous aveugle. Que Dieu nous aide à avoir une vraie repentance. Pas tiède, vous n'allez pas y arriver. Je me dis qu'aujourd'hui, en ce moment même, alors que mon temps est écoulé, nous devrions nous lever et crier avec nos mains levées. Seigneur, une fois encore, une fois encore, oh Seigneur, une fois encore, lèvons-nous tous, ceux qui sont disposés à le faire, à voir un réveil, tous ceux qui sont disposés à mourir à ce spectacle hollywoodien, tous ceux qui sont disposés à mourir, à voir la puissance de Dieu venir à Sion avec joie sur toutes ces montagnes saintes. Il ne fera ni tort ni dommage. Lèvons les mains, crions, une fois encore Seigneur, une fois encore Seigneur, une fois encore Seigneur, une fois encore Seigneur, envoie le Saint-Esprit avec un vent impétueux comme tu l'as fait au jour de la Pentecôte. Amen. Trône de mon Père. Pour...
avec je m'empresse, mon sauveur révèle sa face. Joyeusement, je me tiens là et je t'attends, mon Dieu. Oui, vie.